Bonjour tout le monde. Alors me voilà en direct pour l'émission Des Rois du Monde, solidaire et social. C'est une émission où on va recevoir des gens qui vont nous donner des renseignements sur le Covid-19, sur le confinement, comment mieux vivre son confinement. On pourra poser des questions. Voilà. Donc j'attends que les gens se connectent un petit peu. Aujourd'hui, on va recevoir le docteur Moshe Assouline qui va nous donner quelques réponses, qui va nous éclairer quant au confinement, au Covid-19 surtout, et sur le back-office dans lequel on se pose plein, plein, plein de questions. Donc, je vais attendre qu'il se connecte. Eh bien, le voilà. Bonjour Stéphanie, ça va? Bonjour docteur Moshe Assouline. Bonjour. Donc, médecin généraliste dans le 17e. Exactement. Bah, déjà, on est ravis de vous voir. Merci. En vie surtout, hein. En vie. En vie et surtout très joyeux. Ça fait plaisir un beau sourire comme ça. Parce que dans ces moments, on a besoin vraiment de beaucoup, beaucoup d'énergie et de rester, d'augmenter nos défenses immunitaires avec beaucoup de joie intérieure. D'accord. Voilà. Ça fait plaisir. Bon, on va pas faire les mythos, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. D'accord. Je voulais que tu nous expliques quel est le quotidien d'un médecin généraliste à l'heure actuelle. Alors là, à l'heure actuelle, les médecins généralistes, à vrai dire, sont en première ligne pour surveiller, pour être au chevet de leurs patients, parce que sans le médecin généraliste, je pense que les patients sont un peu perdus. On est un peu perdus avec tout ce qu'on entend sur Internet, sur toutes les fake news. Donc on a besoin vraiment de son médecin généraliste qui connaît vraiment ses patients sur le bout des doigts. Il y a un climat qui est très anxiogène, très très anxiogène, et qui d'ailleurs fausse un petit peu la symptomatologie du coronavirus, d'autant plus sur le caractère des appels. Sur le caractère de la dyspnée, c'est-à-dire que les gens vont avoir des difficultés respiratoires qui peuvent tout à fait mimer avec un état anxiogène assez important. Donc, il est très important que le médecin généraliste soit au plus proche de leurs patients, quelle que soit leur pathologie, quel que soit leur état fragile, quel que soit leur caractère anxiogène, pour justement un peu juguler cet état et pour les rassurer au mieux de passer cette phase qui est hors du commun. Donc moi, pour ma part, je fais beaucoup de vidéoconsultations. Alors, je voulais justement parler de ça, parce que Et est-ce que je voulais dire aussi que j'ai mis en place une structure médicale qui, en même temps, on a besoin aussi de recevoir des patients en physique et des patients qui peuvent être suivis en vidéoconsultation. Pourquoi en physique? Parce que c'est très important de recevoir des patients qui ont des pathologies du tout venant. Il faut savoir que, mis à part le coronavirus, on a toutes les pathologies qui continuent d'exister, comme les potentiels accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, les diabétiques décompensés, tout ça. Donc nous, on doit être à leur chevet aussi, ne pas les oublier. Il y a aussi les pathologies cancéreuses. On suit beaucoup de gens qui ont des pathologies cancéreuses, qui malheureusement ne peuvent pas être traitées en ce moment. Donc il est de notre ressort aussi de ne pas les oublier et de les suivre conformément à ce qu'ils ont besoin. Voilà. Et bien sûr, comprendre nos patients, les écouter, ça c'est très très important. 80% de notre travail, c'est de les écouter et redoubler d'efforts dans ces périodes pour pouvoir être le plus disponible pour nos patients. Voilà. Ça, c'est notre quotidien. Merci beaucoup. Est-ce que en téléconsultation, on peut vraiment, vraiment, enfin, est-ce que c'est vraiment fiable? La téléconsultation, c'est Ouais. heureusement qu'il y a la téléconsultation. Est-ce qu'on peut faire la différence en tant que médecin, pour une bronchite, le Covid-19? Est-ce que c'est facile? Alors, premièrement, il y a deux types de téléconsultations. Il y a les téléconsultations par les plateformes.
Il y a la téléconsultation pour un médecin généraliste. Je reprends beaucoup de patients qui vont consulter via les plateformes, via des médecins qui consultent des patients qui ne connaissent pas. Ce qui est très important, c'est d'avoir une fiche médicale très précise des patients, de nos patients. On peut pas, la vidéoconsultation, elle est efficace à partir du moment où on connaît son patient. Ça, c'est très important. Si des patients lambda vont aller voir des médecins comme ça, de manière ponctuelle, sur des réseaux de téléconsultation, ça peut être éventuellement efficace, mais il y a un risque. Ce qui est très important, c'est de voir son médecin traitant. Ça, c'est très important. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a des algorithmes qui existent pour savoir si les patients sont sujets à développer potentiellement des complications de leur coronavirus. D'accord ? Donc, dans ce cadre-là, on sait très bien qu'il y a une phase qui est la phase inflammatoire, ce qu'on appelle la tempête cytokinique du 7e au 14e jour, où le patient peut développer éventuellement des complications. Et c'est justement là qu'est notre ressort pour justement ne pas engorger les services hospitaliers et les services de réanimation, où nous sommes là pour justement les rassurer s'il le faut ou les orienter vers les services d'urgence. D'accord. Voilà. Et on nous a annoncé un déconfinement à partir du 11 mai. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, justement, on ne va pas repartir dans une seconde vague et une resaturation des hôpitaux, sachant qu'apparemment, une mineure partie de la population a eu le Covid-19? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Premièrement, depuis le début du mois de mars, j'ai malheureusement renvoyé des gens à leur domicile qui avaient des symptômes qui étaient très minimes et qui ont été récusés par les centres hospitaliers pour ne pas se faire dépister et donc qui ont disséminé complètement le coronavirus à leur famille, ce qui a augmenté de manière considérable la propagation du virus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a 30% des patients qui ont le coronavirus, qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne développent aucun symptôme. Ni fièvre, ni toux. Complètement asymptomatiques ? Oui, ni fièvre, ni toux, ni courbature, ni écoulement nasal, ni rien du tout. Donc, alors, ces personnes-là… Je parle parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent, qui ont perdu le goût et l'odorat, mais rien d'autre. Donc ça, c'est quand même un symptôme quand même très révélateur du Covid-19. Est-ce que c'est possible qu'on ait vraiment aucun symptôme du tout ? C'est tout à fait possible. 30% des patients ne sont pas symptomatiques. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, les enfants sont porteurs sans être symptomatiques. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est un danger énorme pour les grands-parents, pour les parents qui, eux, peuvent le disséminer, qui peuvent l'avoir aussi. Donc, il faut savoir que jusqu'à à peu près 10 ans, les enfants peuvent l'avoir et donc ne pas développer de symptômes. À partir de 10 ans, ils commencent à avoir des symptômes. D'accord ? Voilà. Et bien sûr, il y a une infime partie de ces enfants-là qui peuvent aussi développer des symptômes. D'accord. D'accord ? Ou bien générer, de par le Covid, qui est un virus, d'autres pathologies. D'autres pathologies, voilà, tout simplement. Est-ce que le... Mais c'est très rare. Hein. C'est très rare. C'est justement le caractère rassurant de cette épidémie, c'est que les enfants sont, on va dire, épargnés. Mais qui sont de forts contaminants. C'est-à-dire, ce sont ce qu'on appelle, les Américains appellent ça des spreaders. Vous avez des spreaders, les enfants sont des vrais spreaders, des vrais contaminants. Et des super spreaders, c'est, disons, la personne qui va être atteinte par une bronchite chronique obstructive, comme les tabagiques, par exemple, ou des gens qui ont des pathologies pulmonaires qui vont aller tousser et expectorer avec des aérosols qui vont être quand même assez disséminants. Et là, effectivement, eux sont des personnes qui peuvent contaminer beaucoup de gens. Ils ont un R0 qu'on appelle, qui est proche de 4 ou 5, c'est-à-dire des gens qui, dans une surface confine, qui peuvent contaminer pas mal de gens. Si on ne tousse pas, si on n'a pas de symptômes
avec des aérosols qui se disséminent, il y a moins de risques de contamination. D'où le masque, d'où la distanciation sociale. D'accord. Donc, on voit le ratio malade-décès qui est de 5,3% aux États-Unis et Ouais. de 13% en France. Comment est-ce que ça s'explique, ça? Tout simplement parce que la politique de dépistage en France n'est pas la même qu'aux États-Unis. On a tout fait en France pour éviter de dépister les gens. Pour On a quelle tout raison? fait. C'est une politique française. Nous-mêmes, en Là, on en tant... vient au back-office. Voilà, le back-office, il est là, tout simplement. Moi-même, qui étais au-devant de mes patients, si j'avais la possibilité de les dépister, je l'aurais fait et je les aurais confinés depuis la fin février. Faut comprendre une chose, c'est que pour les mathématiciens et tous les étudiants, tous les élèves de 5, 6e ou 4e de l'école qui ont une notion de la courbe exponentielle. La courbe exponentielle, c'est une courbe qui va avoir une évolution qui va être lente et qui va monter tout d'un coup. D'accord? Cette phase-là où ça monte tout d'un coup, c'est l'équivalent de entre une semaine, 10 jours et 2 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, que si on s'était confiné peut-être 10 jours avant le confinement, de manière totale, peut-être on aurait évité des milliers et des milliers de morts. Et c'est Et là donc, il a où... fallu s'organiser. C'est pour ça que ça n'a pas été fait. Il fallait s'organiser, je sais pas, pour les écoles, pour le travail. Il fallait faire. Oui. Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir une chose. C'est que j'ai vécu à mon cabinet le racisme qu'ont ressenti les Asiatiques. D'accord? Croyant que, en fait, le virus pouvait rentrer que dans un corps asiatique. Donc, bien sûr, je recevais, comme tout le monde, des parodies, des blagues sur qu'il fallait faire attention aux Asiatiques. Le virus est arrivé chez nous. Mais ce qui a fait la différence entre le coronavirus et le SRAS qu'on a vécu il y a 2 ans en Asie, qui n'a pas eu le temps de venir en France, c'est que l'incubation de l'ancien SRAS, du SRAS premier, était de 6 jours. Là, l'incubation, elle est de 30 jours. Donc, vous imaginez que quand on a un virus qui est 5 fois plus présent dans un corps et donc qui peut être contagieux 5 fois plus, effectivement, il a le temps de passer les frontières. Donc, c'est pour ça que là, on a été pris de court. Ensuite, on a eu l'exemple de l'Italie. Il y avait des centaines et des centaines de morts en Italie. Puis après, on a eu l'exemple de l'Espagne. On n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce que c'était comme le nuage de Tchernobyl. On pensait que ça allait s'arrêter au niveau de la frontière. Donc, Enfin, on encore une pensait, fois... hein. Peut-être que nous, chez nous, on pensait, mais d'un point de vue politique, les politiques ne pensaient pas qu'en ayant un virus comme ça en Italie qui avait fait autant de dégâts en Chine, parce qu'on ne nous a pas dit la vérité quant aux morts qu'il y a eu en Chine, on ne pensait pas, enfin, on pensait pas que ça n'arrive pas chez nous, quoi. L'Italie, c'est la France quand même. L'Italie, c'est l'Europe. Là, c'est, oui, Donc, enfin, à la partir France, du c'est moment où on l'Espagne, avait c'est. des centaines de morts en Italie, une semaine avant le confinement, on aurait dû se confiner. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Mais, enfin, j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y a eu des pressions pour maintenir les élections électorales et des fortes, fortes, fortes pressions. Vous imaginez que moi, qui suis médecin généraliste que dans le 17e, il y a à peu près entre 40 et 50 bureaux d'élection, bureaux où on peut voter. La logistique pour dans chaque arrondissement, si on va dire que dans chaque arrondissement il y a 50 bureaux, ça fait à peu près 2000 bureaux de vote ou peut-être 2500 bureaux de vote à Paris. La logistique et l'organisation qu'il faut pour le faire sur toute la France et de l'annuler, j'imagine la pression que le gouvernement a dû avoir pour essayer de les maintenir. Ça a été quand même quelque chose qui a été incroyable. Moi, le gel hydroalcoolique, je n'en ai pas trouvé pendant des semaines. J'ai dû aller dans le centre de Paris,
chez une amie pharmacienne, on l'a fabriqué au fin fond de sa pharmacie pour que je puisse me protéger et protéger mes patients. Ça, et ça, qu'est-ce qu'il en est des masques à l'heure actuelle? Ça y est, c'est... Également, on sait que toutes les études montrent que les masques sont efficaces à partir du moment où tout le monde les met. Mais non, ma question, c'était, est-ce que vous, en tant que médecin, vous les trouvez facilement là, à l'heure actuelle? Ça a été dur pendant un moment, mais là, c'est plus facile. On a une dotation de 18 masques par semaine. D'accord. 18 masques par médecin. C'est-à-dire que si nous, on doit mettre un masque, il faut absolument qu'on le mette aussi au patient qui est suspect de Covid, s'il vient dans notre cabinet. Si moi, je dois changer le masque FFP2 toutes les 4 à 6 heures, il m'en faut à peu près entre 2 et 3 par jour. Donc, juste pour moi, je vais avoir du mal à en avoir. Si le patient qui se trouve en face de moi a le Covid et que moi, j'ai un masque, j'ai à peu près 5% de chance de pouvoir l'attraper. Si c'est un masque chirurgical. Si c'est un masque FFP2, je suis normalement protégé à 100%. Voilà. C'est marqué 95% sur le masque. Donc, l'histoire des masques, c'est aussi un scandale d'État. On n'a pas été doté comme il fallait. On sait que les pharmacies peuvent en avoir par tous les réseaux. Il y a assez de masques pour que les pharmacies puissent en avoir. Il y a eu un décret pour interdire aux pharmacies d'en délivrer. C'est aussi un scandale. Donc, on n'a pas permis aux pharmaciens de faire leur travail comme il le fallait. Et on n'a pas permis à la population d'éviter de l'attraper et justement de disséminer, de le contaminer. C'est ce qui est aussi un facteur qui a aussi aggravé la situation. Est-ce qu'il y a des traitements expérimentaux en cours que nous, population, ne sommes pas au courant? Parce qu'on a entendu parler de l'azithromycine mélangée à la chloroquine. Après, on a entendu parler de l'orelox mélangée à l'azithromycine. Enfin, pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un traitement réel qui va être mis incessamment sous peu Alors, Bien sûr, il y a, quand on voit toutes les chaînes de télévision comme BFM, LCI, CNews, tout ça, on a affaire à des infectiologues, des virologues, des chefs de service qui, eux, sont indemnes de la maladie. Mais le vrai débat, il doit se faire entre médecins qui l'ont eu. Parce que quand on se retrouve face à la maladie, là, on va essayer de calculer le meilleur rapport bénéfice-risque. Maintenant, quel est le risque aujourd'hui? Par exemple, si on va commencer par la chloroquine, plus précisément l'hydroxychloroquine. Quel est le risque aujourd'hui de prendre l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur de l'hydroxychloroquine? Non. Est-ce que l'hydroxychloroquine marche? Probablement. Est-ce qu'aujourd'hui... je prendrai de l'hydroxychloroquine et je le conseillerai. Oui, c'est évident. À ne pas confondre l'hydroxychloroquine et la chloroquine. La chloroquine, c'est du nom commercial la nivaquine et l'hydroxychloroquine, du nom commercial le plaquenil. La chloroquine in vitro marcherait 7 fois moins et aurait une efficacité 7 fois moindre que l'hydroxychloroquine. D'accord. Donc, c'est pour ça que le professeur Raoult a choisi l'hydroxychloroquine. Donc, l'hydroxychloroquine, pourquoi ça marche? Parce que tout simplement que dans le matériel génétique du virus, du coronavirus, il est fait de la même manière que le virus du sida. Ce qui est incroyable, c'est que pendant des années, on a dit aux gens de mettre des préservatifs pour ne pas attraper le sida, et là, on l'a attrapé dans l'air. Parce qu'on a à peu près 1000 séquences de génétique qui se trouve dans le noyau du virus qui correspond exactement au VIH.
D'accord. Et on a également après aussi... les conditions sont pas les mêmes non plus, parce que les gens qui nous écoutent et qui s'y connaissent pas forcément en médecine, ils vont croire que le Covid-19 est aussi virulent que rien. Ouais. Évidemment, je parle que de similitudes entre génétique, entre le VIH et le coronavirus. Pour l'instant, on ne sait pas quel est l'après du coronavirus. On pourra en parler après. Donc, pourquoi l'hydroxychloroquine marche aussi sur le coronavirus? Tout simplement parce qu'on a des séquences génétiques qui sont similaires à la malaria dans le coronavirus. Et que la malaria, qui est aussi sous son autre nom, le paludisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'hydroxychloroquine a une efficacité sur le coronavirus. Également, il y a des études en cours sur des antirétroviraux anti-VIH sur le coronavirus, qui pour certains, ne donnent pas d'excellents résultats. Pour l'instant, on a l'hydroxychloroquine qui est assez efficace, voilà, associée bien sûr à une double antibiothérapie qu'on donne, à savoir de l'azithromycine ou de la clarithromycine, qui font partie de la famille des macrolides, qui sont des médicaments qu'on connaît tous. Hein, l'azithromycine qu'on donne assez régulièrement à des gens qui ont des angines, et également associée à des médicaments qui sont, font partie de la famille des céphalosporines, donc des pénicillines, comme l'augmentin ou l'orelox, qui ont une action aussi pulmonaire. Donc, est-ce qu'au tout début, si on avait prescrit des antibiotiques, on aurait aussi évité pas mal de morts? Parce qu'au début, on nous disait que du doliprane. Évidemment, je pense que ça a été une perte de chance de ne pas avoir donné aux gens cette double antibiothérapie d'azithromycine et d'augmentin associée à cette hydroxychloroquine. Je pense que probablement, on aurait évité, si on avait pu éviter au moins un seul mort, je pense qu'on l'aurait donné à toute la population, ça vaut le coup. Il faut savoir tout ce qu'on fait des fois pour sauver une seule personne dans le monde qui est en détresse, où on fait appel à des gens, à des étapes pour sauver une seule personne qui est en prison, qui est aux mains des ravisseurs. Et donc là, si dans cette épidémie, si on avait pu sauver seulement une seule personne, effectivement, il faut le donner à toute la population. Ouais. Donc, effectivement, je pense qu'on aurait sauvé beaucoup de monde. Donc là, pour le coup, les antibiotiques, on nous dit de prendre uniquement quand il y a une infection et pas quand c'est viral. Et là, pour le coup, c'est viral et on doit prendre des antibiotiques. Évidemment, parce qu'on découvre aujourd'hui le poteau rose, à savoir que des antibiotiques comme l'azithromycine ont une action antivirale. D'accord. Voilà. Et le professeur Raoul l'a bien démontré que l'association hydroxychloroquine avec azithromycine réduit la charge virale à zéro en 6 jours. Voilà. On a eu le cas d'un médecin aux États-Unis qui a pu soigner 699 personnes qui sont issues d'une même communauté et il a 0 décès. En soignant avec de l'azithromycine, du plaquénil, donc l'hydroxychloroquine, avec du zinc. Donc le zinc, on commence à savoir que c'est pas mal du tout, a priori. Évidemment. Je discute avec des chefs de service en réanimation. À quel dosage à peu près c'est bien? Dosage qu'on trouve en pharmacie. On va en revenir. Juste pour dire que ce que j'avance là, c'est pas une avance juste au niveau de ce que moi je vois en tant que médecin généraliste, mais c'est une discussion aussi de concert avec des grands professeurs qui confirment en fait l'importance du zinc, qui est un élément essentiel dans cette lutte contre le coronavirus, qui a une action antivirale très importante. Vous avez plusieurs types de zinc. On a du zinc sulfate, picolinate, gluconate, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, pour ne pas se mélanger les pinceaux, et pour savoir combien il faut à peu près de zinc, il faut à peu près, dans la phase aiguë,
il faut à peu près 50 mg de zinc essentiel. D'accord. À prendre tous les jours pendant 5 jours. Et après, en entretien, il faudrait à peu près entre 10 et 20 mg de zinc essentiel. Donc, tout simplement, le médecin américain avait donné 220 mg de zinc sulfate, qui équivaut à 50 mg essentiel. D'accord. Après, pour entrer dans les détails, en France, on a du picolinate de zinc qui est dosé à 22 mg, qui équivaut à 10 mg de zinc essentiel. Donc, si par exemple de la marque Solgar, vous pouvez prendre 5 comprimés de la marque Solgar. Si vous prenez du rubozinc, par exemple, ça serait entre 3 et 4 comprimés. Si on prend du NH cozinc, ça serait 3 comprimés, puisque le comprimé est à 15 mg, on atteint les 45 mg de zinc. Ça suffit dans la phase aiguë de prendre tous les jours à peu près entre 45 et 50 mg de zinc. Et ça, c'est vraiment quand on a le virus. Ça, c'est quand on a le virus. On ne peut pas le prendre en amont, en complément alimentaire ? On peut le prendre, bien sûr, en amont, tout simplement, comme je l'ai dit, entre 10 et 20 mg de zinc essentiel tous les jours. D'accord. Associé également avec de la vitamine C, qui est très important, qui est un antiviral puissant, connu. Associé aussi avec du magnésium. Et un élément hyper, hyper, hyper essentiel, c'est les probiotiques. Il faut savoir que nos défenses immunitaires sont renforcées par la flore digestive qu'on a tous en nous. Une flore digestive déséquilibrée ne permet pas au corps de lutter contre l'infection virale. Donc, il y a des éminents chercheurs en France qui étudient le microbiote, c'est la flore digestive. On a su il y a quelques mois qu'il n'y avait pas seulement cette flore qui était juste digestive, mais il y a aussi une flore qui est pulmonaire. Donc, on est vraiment à l'état du Moyen-Âge au niveau de cette recherche au niveau de cette flore digestive qui est censée nous défendre contre ces infections virales et bactériennes. Donc, c'est comme du Lactibiane, ce genre de choses ? Exactement. Il y a des marques comme le Lactibiane, comme d'autres marques de probiotiques. Mm-hmm. Il faut savoir qu'il y a plusieurs souches de probiotiques différentes. Ça se compte en milliards de souches. D'accord ? Généralement, si on commence à 10 milliards de souches, on peut aller à 25 milliards, on peut aller jusqu'à 200 milliards de souches. Tout dépend des souches, en fait. Il y a différentes souches. Et tout dépend aussi de ce qu'on a comme symptômes. C'est-à-dire, si on a de la diarrhée, on va peut-être augmenter en souches à 100, à 150 milliards. Si on n'a pas de diarrhée, on peut descendre à 50 milliards. Et après, tout dépend de la personne et de ce qu'elle prend aussi comme médicament. Voilà. Mais les probiotiques, c'est vraiment un élément très, 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 très important. Juste pour revenir à hydroxychloroquine, il y a une étude française qui est financée par l'État français, qui s'appelle Discovery. Cette étude française veut essayer de prouver en fait, que l'hydroxychloroquine marche au septième jour. D'accord. Septième jour de la maladie. Donc, en l'ayant pris le premier jour de la maladie. Non, en le donnant aux gens au septième jour dans les D'accord. Okay. Donc, imaginez-vous, tout simplement, un autre virus, l'herpès, que beaucoup de gens connaissent. Quand on a un herpès, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Prenez-le dans les 48 heures. Vous m'entendez bien ? Oui. Est-ce que ça grésille un petit peu ? Ouais, ça bug de temps en temps, mais. D'accord. Quand on a une infection herpétique, on prend le médicament antiviral dans les 48 heures. Mm-hmm. Et si on le prend à partir du 7e jour, c'est plus efficace. On est d'accord. Donc, c'est exactement le même mode d'action. On va prendre l'hydroxychloroquine, il faut le prendre dans les 48, voire 72, voire les 72 heures après le début des symptômes. Mais ce qui est compliqué, c'est que les symptômes peuvent être très minimes. Ça peut être un rhume, ça peut être des petites courbatures, ça peut être une petite toux. A priori, ça bug. Hein. Oui, ça va là. Ouais. Donc, tout simplement, il faudrait
il faudrait le donner dès le début des premiers symptômes. Voilà, c'est tout. C'était ce que je voulais dire. Et que l'étude qui va venir, en tout cas, je voudrais le dire, que l'étude Discovery ne va en rien confirmer ou infirmer l'étude de Raoult. Ouais, ce sera en plus, quoi. Probablement, parce que ça va donner des résultats catastrophiques pour dire que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et finalement, on le sait qu'elle ne marche pas à partir du septième jour. Comme pour l'herpès, on sait très bien que si on donne un antiherpétique à partir du septième jour, ça ne sert à rien, tout simplement. Et est-ce que les tests sérologiques sont fiables là maintenant, tout de suite ? Alors, on a deux types de tests. On a le test, pour faire simple, hein, on a le test nasal, hein, par le prélèvement mm-hmm. nasopharyngé, et on a le test dans le sang. D'accord ? Oui. Donc, deux techniques différentes. On a la technique par PCR et la technique par ELISA. PCR, c'est quand on fait avec le prélèvement nasopharyngé. Il faut savoir que le succès de cette technique va être conditionné par le prélèvement nasal qui doit se faire jusqu'au fin fond du sinus. Donc, on doit introduire un coton-tige jusqu'au fin fond du sinus, jusqu'à éventuellement créer un larmoiement de l'œil. Et là, on sait qu'on est proche des 100% au niveau au niveau de l'efficacité du prélèvement. Si ce geste-là est mal fait, on va augmenter la possibilité d'avoir des faux négatifs. Sachant qu'en règle générale, ce test-là, du prélèvement nasopharyngé, donne en moyenne 30% de faux négatifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une part, si le geste est mal fait, deuxième part, si on fait trop tôt le test ou on le fait trop tard, c'est-à-dire que si le virus ne se trouve plus dans les fosses nasales, mais il peut se trouver soit dans les poumons, soit dans le sang, donc on ne va pas le trouver, donc on va rassurer à tort des personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des personnes qui vont rentrer chez elles, qui vont dire « moi, je n'ai pas le coronavirus » alors qu'ils l'ont. Ah ouais. C'est très grave. C'est très grave. Donc à ce moment-là, on va continuer à disséminer la maladie. Et donc, le test sérologique est plus fiable ? Donc, effectivement, le test sérologique est beaucoup plus fiable puisque c'est une prise de sang comme on a l'habitude de faire. Et on a la possibilité, il y a toujours une part de faux négatifs, hein, il ne faut pas le nier, mais il est beaucoup plus fiable que le test nasopharyngé. Et là, on peut savoir si effectivement on est porteur et on est immunisé. Et également, on peut savoir si on n'est plus porteur et seulement immunisé. Voilà. D'accord. Et donc, parlons de quelque chose qui a dû te laisser un très mauvais souvenir, mais qu'on aimerait bien savoir. Toi, tu as été malade en tant que médecin. Oui. Est-ce que ça t'a servi d'être médecin pour lutter, savoir quels ont été les bons gestes à faire au moment où tu sentais certains symptômes par rapport à des gens qui ne sont pas médecins et qui pourraient laisser la maladie avancer de manière un peu exponentielle par rapport à toi qui as su prendre les choses au bon moment ? Alors effectivement, quand on est médecin, on a la possibilité d'avoir un ordonnancier à côté de soi. Donc c'est beaucoup plus facile que de passer la barrière, d'aller voir si un médecin est disponible, qui peut nous faire une prescription pour aller chercher un médicament en pharmacie. Donc je me suis mis directement sous hydroxychloroquine et azithromycine. Et le zinc, je n'étais pas au courant puisque je ne savais pas, j'étais atteint à partir du début du mois de mars, donc je ne savais pas si je ne savais pas que c'était aussi efficace et potentialisateur. Je pense qu'avoir eu une forme entre modérée et sévère de la maladie, tu n'as pas été à l'hôpital. Hein. Quand on est médecin et en même temps patient, on n'arrête pas de. C'est une consultation qui est interminable. Donc on n'arrête pas de s'auto-mesurer, de s'auto-voir ce qui se passe, sans rentrer dans la psychose, sans se prendre de tension, sans se prendre la saturation de l'oxygène dans le sang. Chose que je ne conseille pas aux gens d'avoir des oxymètres, ça ne sert à rien. Pour moi, l'oxymètre, ça ne sert à rien. Mis à part pour certaines personnes et certains statuts.
Et qui est source juste d'anxiété et potentiellement de créer une forme d'anxiété qui se surajoute, comme j'ai dit tout à l'heure, à cette forme, à cette polypnée, cette tendance à rentrer en complication par rapport à ce coronavirus et à créer une décompensation. Voilà. Et également, il y a l'état anxiogène est tel que personnellement, moi, j'ai dû prendre des anxiolytiques parce qu'on se pose tellement de questions, on est tellement averti, on a accès à tous les papiers scientifiques qui nous montrent qu'effectivement, rien n'est rassurant, qu'il y a des jeunes de 30 ans qui sont en réanimation, que ça épargne pas grand monde, Donc, quand on en parlait au moment de la Chine, disons, quand on parlait du coronavirus, vous, les médecins, vous vous attendiez pas à un truc aussi virulent. Effectivement, on a été complètement berné, on ne savait pas du tout, on pensait que c'était une grippette, et effectivement, on a vu que ça pouvait tuer toute personne. Bien sûr, je rassure, on a parlé tout à l'heure tu m'as parlé de la différence de dépistage entre la France et les États-Unis, mais tout simplement qu'en France, on dépiste très peu, on a très peu dépisté les gens, donc c'est sûr qu'il faudrait. Il faudrait dire que les gens qui sont contaminés sont à peu près un ratio entre. Il faudrait multiplier par 20 ou 30 ou même 40 le nombre de gens qui sont infectés. Alors, il faudrait les compter en millions en France. Et quand Paris n'était pas considéré comme un cluster, c'est-à-dire que deux personnes au même moment et au même endroit sont atteintes, moi je les avais déjà 10 jours avant dans mon cabinet, des familles entières qui étaient contaminés par le virus. Et pourtant, Paris n'était pas considéré officiellement comme un cluster. C'est-à-dire qu'à l'époque, on demandait aux gens s'ils revenaient soit de l'Oise, ou soit d'Italie, ou soit de Chine. C'est tout. Mais pas de Paris. Alors que Paris est un cluster. Et donc, c'était la condition sine qua non pour pouvoir les dépister. Et donc, on les a pas dépistés. Donc, si effectivement, il y a très peu de gens dépistés et que y a des morts, et bien effectivement, le taux de mortalité est important. Donc c'est pour ça que, en réalité, le taux de mortalité est beaucoup plus bas que ça, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont atteints par la maladie. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de ce 11 mai, là, déconfinement? Ça va être, j'ai entendu dire, donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais qu'à peu près 15% de la population avait été infectée à l'heure qu'il est. Donc, si on ressort tous le 11 mai, est-ce qu'on ne va pas se retrouver le 25 mai, comme au tout début, avec des lits de réa manquants et ce genre de choses? Tout est une question de civisme et d'intelligence. Donc les Si. gestes barrières suffiront. Le gel et le masque suffiront à nous protéger à partir du déconfinement. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que tout simplement, en France, on a une mentalité différente des Asiatiques. Les Asiatiques sont habitués à avoir des épidémies. En France, on n'est pas habitué. C'est Paris, c'est les quais, c'est le bar, c'est on pense à faire la fête, à danser, c'est magnifique. C'est une forme de naïveté qui est extraordinaire. En France, tout part du comportement culturel. Mettre un masque, c'est être malade, c'est pas dans les mœurs. C'est pas un acte civique. En Asie, c'est un acte civique. On porte des masques. On a l'habitude de porter des masques. Tout le monde porte des masques. Si vous avez n'importe quel doute, éventuellement, si vous avez un tout petit rhume, vous allez tout de suite porter un masque. Et les gens vont trouver ça normal de porter un masque. Donc en France, on ne porte pas de masque. On n'est pas habitué à porter des masques. Deuxièmement, il y a le port du gant. Faut savoir une chose, c'est que le gant, il y a une façon de porter un gant. On ne porte pas des gants comme ça toute la journée et on se dit, ah, tiens, j'ai porté des gants. Les gants ne protègent pas les mains. Le virus ne rentre pas par la barrière cutanée des mains. Le virus rentre par les fosses nasales, par le nez, par la bouche, par les yeux. Moins par les yeux. Bon, par l'air. Enfin, il ne passe pas par les mains. Ce qui est contaminant, c'est quand on porte la main au niveau du visage. Si on peut toucher son visage à partir du moment où on sait que nos mains
ont été lavés au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Donc, si, quand je vais faire mes courses au supermarché, je vois des caissiers avec des gants en plastique, combien de temps reste le virus sur du plastique? Il reste entre 3 et 5 jours. Si un caissier va manipuler vos fruits, vos légumes, vos conserves, tous les produits qui va toucher à votre carte bleue, qui va toucher à sa machine, qui va ramener son siège avec ses gants, qui va en le prenant par en dessous, vous voyez, il va les disséminer si le coronavirus est sur ses gants et qui, normalement, d'après les études, reste un minimum 3 jours sur du plastique. Donc, ça veut dire qu'il y a eu le temps de disséminer dans tout le supermarché. Donc, il faut mettre, pour ceux qui sont obligés de porter des gants, il faut mettre du gel sur les gants. Moi, je suis contre le gant. Moi, si par exemple, je porte un gant, je vais peut-être… Un gant, il faut savoir une chose, ça se porte de manière très ponctuelle et dans un temps très court. Si par exemple, vous touchez la poignée de votre immeuble, je ne rentre pas dans une psychose, hein, bien sûr. On a toujours vécu comme ça, sans problème, sans avoir de maladie, tout ça. Mais on est face à un virus qu'on découvre. Donc, on ne sait pas trop. On nous dit, voilà, combien de temps ça reste. On fait confiance aux gens qui ont fait des études. Et donc, on reprend les études et puis on agit en fonction. Donc, si vous touchez la poignée d'immeuble de votre immeuble et la poignée de porte de votre immeuble, donc, si vous mettez au visage, à ce moment-là, vous avez serré la main de tout l'immeuble. Et donc, vous avez manuporté… Pardon. Vous avez manuporté le virus à votre visage, ce qui est très grave. Donc c'est pour ça que si je mets un gant, je le mets à partir du moment où je sors de chez moi, après avoir touché toutes les portes, être sorti, et à ce moment-là, je l'enlève par la partie distale, d'accord ? Je l'enlève comme ça sans toucher le gant qui a touché la porte et je le jette quelque part, dans une poubelle. Voilà, tout simplement. C'est ça à quoi ça sert un gant. C'est pas de le garder toute la journée pour dire « Attention, j'ai mis les gants. » Alors, quand je parle avec le caissier du supermarché, je lui dis « Mais pourquoi vous avez un gant? Vous savez que ça ne protège pas. » Il me dit « Parce que ça rassure les gens. » Donc, on est d'accord qu'on parle d'un déconfinement du 11 mai et on veut mettre en place des gestes barrières et protecteurs juste pour rassurer psychologiquement les gens, tout en augmentant les risques de dissémination. C'est là où c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, complètement une autre question, quand on a le moindre symptôme, on tente d'appeler immédiatement son médecin. On arrête avec le paracétamol et dès le premier jour, on essaye de trouver un traitement adéquat, non ? Effectivement. Là, dans cette épidémie, on n'a pas le choix que dès les premiers symptômes, d'agir de manière très efficace et pour prendre éventuellement à tort ce type de traitement. Moi, c'est ma façon de faire, en tout cas. Après, on a plusieurs écoles. Il y en a qui disent, non, ben, on attend, on voit ce qui se passe. Effectivement, on a aussi les rhumes qu'on a l'habitude de voir. On va pas tout de suite se lancer dans un traitement faramineux face à un rhume. Mais effectivement, on va être à l'écoute, on va être en visioconférence, on va surveiller, on va voir, on va donner des repères aux patients pour pouvoir se surveiller aussi et les avoir au quotidien, régulièrement, pour savoir comment est leur état. Parfait. Bah, voilà. Moi, tu as répondu à toutes mes questions. J'espère que ça en a aidé pas mal. On a eu pas mal de messages. Je pense que sensiblement, J'ai pas vu les messages, mais ce que je veux juste dire, c'est que effectivement, il faut juste dans cette pathologie, il faut faire attention entre le 7e et le 14e jour où on peut avoir un rebond inflammatoire. Ça, c'est très important. On peut avoir une fièvre qui est assez importante, qui peut éventuellement faire décompenser les gens. Donc, et aussi à équilibrer avec cet état émotionnel et d'anxiété assez important. Donc, il faut faire, faut rester vigilant. J'ai donné quelques conseils sur les réseaux sociaux pour dire aux gens qu'il faut absolument se reposer, ça c'est hyper important, c'est de ne faire aucun effort, de ne faire vraiment vraiment aucun effort à partir du 7e jour, ça c'est très important, bien s'hydrater. Alors, parce que on l'avait lu d'ailleurs dans un de tes posts où tu disais même aller faire pipi c'est voilà, faut faire attention,
que les gens ne croient pas, parce qu'on leur dit faut se reposer, ils pensent que rester 2 heures allongé dans la journée, c'est se reposer. Là, on parle d'un repos total. Un repos total, pourquoi un repos total? Parce que tout simplement, si on est dans la phase inflammatoire, où on a le chalumeau qui vient irradier complètement le poumon, et à ce moment-là, si on est dans un effort qui est même minime, là, on va aller disséminer complètement l'inflammation à tout le poumon. Donc, c'est pour ça que à ce moment-là, il faut complètement rester. Bien sûr, si on peut éventuellement aller aux toilettes, on peut pas, c'est pas possible de rester non. Au lit. On va pas. On c'est va une pas image, tenir, mais c'est déjà, on se concentre. Bien sûr, c'est une image. Minimum, quoi. Bien sûr, c'est une image. Mais il y en a qui pensent qu'ils peuvent continuer à travailler, faire du télétravail, tout ça. Le fait de parler, pour moi, c'est quelque chose à proscrire pendant cette phase inflammatoire. Vraiment. Pour éviter le plus possible de créer une dissémination au niveau des poumons. On le sait aujourd'hui. Je l'avoue devant tout le monde que j'en ai été victime. J'ai appelé 100 fois. Effectivement, ouais. j'ai pas pu te répondre, ma chère Stéphanie, mais tu sais qu'aujourd'hui, les choses sont bien meilleures, ouais. Fort heureusement. Ouais. Et donc, on, et a un également, ami, on a la bonne nouvelle d'un ami qui sort aujourd'hui de l'hôpital, qui après je ne dirai pas son nom, mais c'est un ami médecin. D'accord. Et après 17 jours à l'hôpital, après une semaine en réanimation, il sort aujourd'hui en forme. Donc, on est content parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Quoi. On est bien heureux. Vraiment, on est heureux pour lui. On le connaît, on l'adore. Et malheureusement, il faut rappeler que 13 médecins généralistes n'ont pas pu survivre à ce marasme. Et on pense à eux aussi et à tous les médecins qui n'ont pas pu malheureusement se protéger à temps et pour soigner leurs patients et qui l'ont eu aussi. Donc on pense vraiment à tous les médecins généralistes qui sont quand même un peu oubliés dans cette bataille, et c'est important de le dire. On pense tous à eux. Voilà. Et on les aide avec les rois du monde comme on peut. Merci en tout cas aux rois du monde. Où j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer à beaucoup, beaucoup de vos actions, notamment de partir au Nigeria, où on a fait des choses qui étaient magnifiques. Et où on a pris Dany Vakin. Et on a pris un médicament proche d'Dany Vakin. Mais ce n'était pas Dany Vakin, mais voilà, on a pris notre antipalu comme tout le monde. Et je rappelle que les Rois du Monde est une association qui fait énormément de bien aux enfants. Ce sont essentiellement des femmes, il y a un peu d'hommes, et qui sont au chevet des enfants dans les hôpitaux, qui leur apportent beaucoup, beaucoup de bonheur. Elles ne sont pas toutes prêtes psychologiquement à leur donner tout ce bonheur-là, parce que des fois c'est très dur, des fois vous avez affaire à des enfants avec qui vous tissez des liens. Et on vous annonce des fois des mauvaises nouvelles où l'enfant ne survit pas à sa pathologie. Donc c'est assez dur pour vous, pour nous. Et je sais tout ce que vous faites pour les enfants et aussi pour tous les enfants dans le monde qui en ont besoin, avec toutes les structures que vous avez montées. Voilà. Donc je suis fier de participer à cette association et de faire tout ce qu'il faut et tout ce qu'on va faire. Encore, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Merci pour tout. Et voilà, je suggère à tout le monde de prendre rendez-vous avec Moshe Assouline sur Doctolib. Je ne suis pas venu ici pour en faire ma pub, mais... Non, mais bon, ça sert toujours d'avoir un médecin sympa et qu'on connaît, quoi. Qu'on connaît ne serait-ce que de visu, quoi. Parce que là, on se retrouve un peu perdu avec les médecins qui ne répondent pas. C'est pas évident. Donc c'est voilà. Ça, effectivement. Maintenant que tu as parlé, tout le monde doit être sous le charme. Donc voilà, je pense qu'il. Voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, ma chère Stéphanie, je t'embrasse. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Bye.